Wow. Les amis, ça va? J'espère que vous commencez un bon samedi. Hein. Est-ce que ça va chez vous? Parce que moi, jusque-là, je suis choqué. Parce que c'est bizarre, mais c'est quand même historique. Hein. Ce qui est en train de se dérouler là, c'est vraiment, vraiment, vraiment historique. Mais en même temps que c'est historique, c'est aussi bizarre. C'est très insolite, même, je dirais. Un phénomène très ambigu. Franchement, je suis dépassé. Ou très choqué même. Je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Arrête Chine, dis-moi, c'est quoi ça, putain? C'est quoi ça? C'est pas sérieux ce que je viens de voir là. C'est vraiment, vraiment, c'est tout sauf sérieux. Ce que je viens de voir là, ça sort de mon entendement. Ça dépasse mon entendement. J'ai jamais vu ça dans ma musique ivoirienne. Je n'ai jamais vu ça dans le coupé décalé. Et tu vas dire quoi? C'est toi qui vas commencer ça? Waouh! Waouh, je sens que cette vidéo-là va chauffer. Partagez-la. Partagez-la au maximum. Tu m'as fait veiller, moi et Rito, jusqu'à minuit. Oh, moi, j'avais fait mes prévisions, mes prédictions pour demain. C'est-à-dire que j'ai demain aujourd'hui, actuellement, vous attendez la vidéo, pour demain avant minuit pour atteindre les 5 millions de vues. Et toi, tu me laisses veiller. Minuit n'arrive même pas, tu dépasses là-bas les 5 millions de vues. Franchement, les abonnés, les amis, ma famille, tout Internet, je vais vous demander de regarder cette vidéo à l'intégralité, de la partager au maximum, parce qu'il y aura une phase de déconstruction, une grosse phase de déconstruction, parce que moi, on se fout pas de moi. Voilà. Je vais me prêcher dans le vrai et je reste toujours dans le vrai. On se prend juste après le générique, Arishini. Partagez la vidéo. À tout à l'heure, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je possède, à des firmes. Voilà, début de la vidéo. Bon retour, les amis. J'espère que tout le monde va bien. C'est votre humble serviteur, Héritor. Les amis, bien avant que je commence la phase de déconstruction dans cette vidéo-là, je sais que vous m'appréciez, vous aimez ce que je fais et vous accordez beaucoup d'importance à tout ce que je vous dis. Donc accordez-moi juste une petite minute pour vous parler de ces nouveaux artistes que j'essaie de pousser. Voilà, c'est très important. Arechiné, ne pense pas que tu serais épargné dans cette vidéo. Les détracteurs d'Arechiné, restez branchés aussi. Peut-être que cette vidéo-là vous fera plaisir. Je vais vous parler de qui? Je crois mes trois dernières vidéos, vous avez bien vu que le jingle de mes vidéos a changé. Non, pas le jingle, le son générique de mes vidéos a changé. Voilà. Et vous m'avez demandé qui chante ça? Je vais prendre la peine avec une petite minute de vous répondre rapidement et déconstruire cette histoire d'Amina. Le groupe qui chante sur cette musique-là est composé de Princesse Rima, de Nojo et de HT. Tous trois ivoiriens. Mais en fait, le morceau que vous écoutez là, sous mon générique, c'est le morceau de Princesse Rima, qui est en featuring avec Nojo et HT. Princesse Rima, c'est une fille. Nojo et HT, ce sont des garçons. Ce sont des Ivoiriens. Leur lien est en description de vidéo. Ils sont super talentueux. Moi, je vais juste vous demander d'aller écouter en intégralité leur morceau et de vous abonner à leur page. Ils méritent vraiment soutien. Voilà. Le titre, c'est la vie. Le titre, c'est la vie. Donc, je compte vraiment sur vous, chers abonnés. Allez leur donner de la force. Voilà, c'est très important. De la manière que vous considérez Eritor, et certaines personnes font confiance à Eritor, montrez à ces personnes-là qu'ils ne font pas confiance à Eritor de manière fortuite ou de manière gratuite. Non. Donc le lien est en description. Cliquez sur le lien et allez regarder le clip. Pour ceux qui ne savent pas, retrouvez le lien en dessous de mes vidéos. Tapez simplement Princesse Rima-C'est la vie featuring HT et Nojo. Voilà. On se reprend maintenant pour le cas Réchiné, ses 5 millions de vues. La première partie de cette vidéo va concerner à expliquer certaines choses que beaucoup ne comprennent pas encore. Il revient surtout en commentaire, souvent dans les débats sur les réseaux sociaux, que comment des personnes qui ont 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, qui n'arrivent pas à avoir ce genre de progression. Et il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui excellent vite quand ils mettent des vidéos en ligne. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que le monde a évolué. C'est-à-dire,
le nombre de personnes qui étaient sur YouTube en 2010 n'est plus le nombre de personnes sur YouTube qu'on a en 2019. Donc, 9 ans plus tard, si on veut simplement dire que une seule personne créait son compte Gmail et sa chaîne YouTube, on serait à des milliers et des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, de nouveaux abonnés sur la plateforme YouTube. Or, YouTube a des milliards, je dis bien des milliards d'internautes qui regardent les vidéos sur le moteur de recherche YouTube. Donc, c'est pour dire, si tu as créé ta chaîne en 2010, que tu faisais des vues en respectant en 2010, ces vues-là seront difficiles à respecter en 2019 parce que le nombre de consommateurs sur YouTube a augmenté. Vous comprenez ça? Donc, pour juste vous dire que pour faire des vues sur YouTube, on n'a pas besoin de beaucoup d'abonnés. Ça n'a qu'à être clair dans votre tête. Deuxième chose, je prends un exemple. Je sais que vous connaissez le groupe Zouglou, VDA, La Voix des Anges, qui ont fait un hommage à DG Champion. Ils n'avaient même pas beaucoup d'abonnés. Je me rappelle bien, ils avaient seulement, je crois, 6 000 ou 7 000 abonnés quand ils mettaient l'hommage à DG Champion sur la chaîne YouTube. Et actuellement, vous savez combien de vues comptabilise ce groupe Zouglou là? Plus de 6 200 000 vues en moins d'un an. Et actuellement, où je vous parle, c'est maintenant peut-être qu'ils ont dépassé la barre des 40 000 abonnés. Vous voyez le décalage? 40 000 abonnés, 6 200 000 vues. Comprenez quelque chose? Jadis, disons il y a 3 ans en arrière, 3 ans, 2 ans en arrière, il y a certains artistes, il y a certains utilisateurs de YouTube qui s'amusaient à acheter des vues. Vous comprenez un peu? Et depuis lors, YouTube a vraiment corsé, a vraiment durci son algorithme. Donc, comprenez quelque chose. Le nombre de vues que certaines personnes font sur Facebook sont vraiment, écoutez-moi bien, sont vraiment différents du nombre de vues que des personnes font sur YouTube. L'algorithme de Facebook et l'algorithme de YouTube ne sont vraiment pas les mêmes. Mettez ça dans votre tête. Si vous remarquez bien, sur Facebook, on a cette facilité-là de partager des vidéos. On a cette accessibilité-là. Parce que ça court dans notre journal. Je suis en train de vous expliquer certaines choses, hein. J'appelle ça la phase de déconstruction, c'est la partie 1. Après cette partie-là, je ferai une partie 2. Et puis tout sera clair. Donc, je peux comprendre que ça choque beaucoup d'hommes. Et qui peut se permettre de dire que tel ou tel a acheté des vues. C'est normal. Moi, je vous concède ça. Mais en 2019, là, je ne vous dirai pas que c'est impossible. Mais c'est vraiment, 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 vraiment très difficile de s'acheter des vues maintenant sur YouTube. Tu peux sponsoriser ta vidéo. C'est-à-dire que c'est YouTube même qui se charge de la propager. De la propager sur sa plateforme. Vous comprenez un peu? C'est légal. Mais si comme quoi tu vas aller prendre les services de certains hackers ou de certaines plateformes pour t'acheter des vues sur YouTube en 2019 là, j'ai envie de dire que c'est impossible. Vous n'allez pas me croire. Mais il y a un très grand YouTuber ivoirien surtout, c'est bien de prendre un YouTuber ivoirien, qui a expliqué de manière très simple pourquoi Arel Chiné a engrangé ce nombre de vues en ce temps record là. Il s'appelle Observateur Eben et sa vidéo est encore sur sa page Facebook. Il a expliqué ça clairement et de la plus simple des manières. Arèche n'a-t-il acheté des vues? Je vous donne maintenant la réponse dans la deuxième partie de cette vidéo. Les amis, si vous savez qu'Eriton en train de dire la vérité, là, commencez à partager la vidéo avant de tomber, même si la deuxième partie. Vous voyez, c'est une phase de déconstruction pour clore le débat. Après cette vidéo-là, on n'en parle plus. Après cette vidéo-là, on n'en parle plus. Parce que j'ai fait des recherches et je vous donne la réponse dans la partie 2 de la vidéo.
Vous avez vu l'image qui a défilé? Dans cette image, j'ai donné six bonnes raisons qui démontrent et qui montrent clairement que Ariel Chiné a pas acheté des vues. Je vous dis toujours que Eriton ne prêche pas dans le faux. Parce que quand c'est pas bon, je suis le premier à dire. Ariel Chiné n'a aucunement acheté même une seule vue. Je vous explique maintenant. Je vous donne six bonnes raisons. Regardez sa stratégie. Avant même de donner la première raison, il communique sur son prochain projet qui est Amina en publiant certains clichés du tournage avec cette Amina-là. Il faut dire que la corpulence de cette fille-là attire forcément la curiosité. Moi-même, je me suis dit, savez qui Arish allait faire son clip là-haut? Il allait où pour faire son clip? C'est après, on m'a dit qu'il allait au, je crois, au Bénin, non? C'était au Bénin, voilà, au Bénin pour faire ce clip-là. Il y avait déjà l'engouement avant même que l'audio ne sorte. C'est pourquoi il a balancé l'audio sur sa chaîne Vevo. Regardez bien sa stratégie pour bien comprendre. Ça n'a rien à voir avec les raisons. Les raisons vont vous convaincre. Sa chaîne Vevo a zéro abonné. Et il publie la vidéo audio sur sa chaîne Vevo avec zéro abonné à 7 heures. Mais en moins de 3 jours, il comptabilisait déjà 250 000 vues en audio. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend, je crois, une semaine après. Et il nous balance son clip. Et cette fois-ci, c'est où? Normalement et logiquement, ça devait être sur son compte Vevo encore. Il revient sur sa chaîne où il y a beaucoup d'abonnés. Et c'est là, je vais commencer à vous énumérer ces six bonnes raisons de croire enfin et pour de bon qu'Ariel Chiné n'a pas acheté des vues. Première raison, quand il publie le clip d'Amina sur sa chaîne YouTube, il a seulement 198 000 abonnés, disons plus de 198 000 abonnés. Il n'avait même pas encore 199 000 abonnés. Quand il met le clip d'Amina en ligne, en 21 jours seulement, pour quelqu'un qui a acheté des vues. Deuxième raison, il a engrangé plus de 80 000 nouveaux abonnés sur sa chaîne. Parce qu'actuellement, sa chaîne comptabilise 268 000, plus de 268 000 abonnés. Deuxième raison, il a gagné 80 000, plus de 80 000 nouveaux abonnés sur sa chaîne. Regardez la vidéo là, on va tuer le discours. C'est une phase de déconstruction. Voilà. Troisième chose, pour quelqu'un qui a acheté ses vues sur YouTube, il totalise plus de 94 000 pouces bleus et plus de 3 300 pouces noirs, c'est-à-dire des dislikes. 94 000 likes et 3 300 dislikes. Troisième raison. La quatrième raison, moi-même ça me fait rire. La déconstruction est même en train de me déconstruire moi-même. La quatrième raison, à ses 5 millions de vues avant hier minuit, Ariel Chiné totalisait 9 900 commentaires. C'est-à-dire il y a 9 900 âmes, c'est-à-dire personnes qui ont commenté sous la vidéo d'Amina. Vous comprenez? Ah, c'est le quatrième argument. Et le cinquième argument qui doit normalement vous mettre la puce à l'oreille, c'est que Observateur Eben, qui fut l'un des premiers qui ont commenté la vidéo d'Ariel Chiné, totalise 1 000 likes sur son commentaire. Cinquième argument. Cinquième raison. Maintenant, la sixième raison, vous savez c'est quoi? Aucune vidéo ivoirienne, écoutez-moi bien, d'artiste ivoirien, à part Magic Invier de Magic System, n'a atteint, selon les statistiques, sous une vidéo, plus de 94 000 likes, plus de 3 300 dislikes, plus de 9 900 commentaires, plus de 1 000 likes sur un commentaire sous cette vidéo-là. Jamais, faites vos recherches. Même les 17 millions d'abonnés et les 17 millions de vues de Kababalé et Serge Bino n'a pas atteint ces statistiques. Même les 14 millions de vues
de la victoire de Kérosène n'a pas atteint ses statistiques. Aucune vidéo de la musique ivoirienne, que je précise bien, de la musique ivoirienne, à part Magic Vie de Mali System, n'a atteint ça. Voici de bonnes raisons pour vous expliquer clairement que le pauvre petit Ariel Chiné n'a pas acheté des vues. Sa vidéo a buzzé et il y a une grosse structure qui est Sony Music qui est derrière lui qui fait un travail de fond. Ce travail a été fait en amont et ce travail est en train de se faire aussi en aval. J'espère que cette vidéo vous a convaincu qu'on peut passer sur l'épisode achat de vues et qu'on attend Moto Moto. Je pense que c'est clair. Voilà. Rendez-vous pour Moto Moto le 10 mai et rendez-vous le 30 juin pour la bombe de Bordeaux-Licofa. Que Dieu vous bénisse. C'était Eritor. Partagez la vidéo parce qu'elle vous a plu. Ciao, ciao.